suis chaud ce soir pour aller à la fête de la musique de Zuffelweyersheim. Ils ne jouent pas d'instruments, mais font leur sport sur de la musique. Cette année, le cheerleading ouvrait la fête place des 7 arpents. Ça met dans l'ambiance tout de suite, c'est sympa. Une ambiance avec beaucoup de monde, comme d'habitude. Une sortie familiale appréciée des villageois. Une sortie sportive avec deux enfants qui courent dans tous les sens, mais c'est très familial et on essaye voilà, de passer un peu la tradition des soirées qu'on a fait nous-mêmes, plus jeunes. Voilà, on en profite. C'est la sortie de l'année. Ça fait du bien de sortir, d'écouter de la musique, de voir des gens qu'on connaît et qu'on apprécie. Appréciable aussi la restauration proposée par les associations du village pour la troisième fois. Ça réduit un peu les files d'attente et les associations peuvent gagner de l'argent. Ça nous semblait un partenariat un petit peu gagnant-gagnant parce qu'en fait les associations on les aide toute l'année et puis finalement c'est aider aussi la municipalité que de participer à cette manifestation que les gens apprécient et puis on le voit il y a chaque année plus de monde donc on essaie de répondre aussi à la demande qui est plus importante. Autre ambiance, l'orchestre d'harmonie de Zuffelweyersheim, toujours au top et dispo pour les fêtes de Zuffel. C'est vraiment magnifique, c'est un moment, enfin, moi j'adore la musique et je suis heureuse de pouvoir venir avec mes enfants aujourd'hui. C'est agréable, effectivement, c'est plaisant et je découvre. Tard dans la soirée, autre ambiance avec un groupe de rock, les Broken Arrows. Merci Rémi, la fête de la musique à Zuffel, il y en avait pour tous les goûts. Et comme le dit Alphonse, la recette d'une fête réussie, c'est qu'il y a une monte, l'ambiance, et que ça continue et qu'on a quelque chose à boire. Avec modération, bien entendu. Zuffel Play vous souhaite un bel été à Zuffelweyersheim.